Ah, une magnifique 125 MZ ETS. Voilà, j'ai fait mes premières armes, enfin mes premières armes d'abord sont un 80 Honda et ensuite ma grosse cylindrée c'était le 125 carter de chaîne étanche. Alors équipé guerre, vous pouvez vous servir du bouclier comme enfin du biplace comme bouclier, le phare comme un casque, le pot d'échappement comme un bazooka. C'était Allemagne de l'Est. Alors, la nef des fous. Moi, la mienne a été grise, je crois, était grise, grise métal. Exactement le même modèle. Cocotte alu, ferraille, enfin ferraille chromée. Voilà, c'était du costaud, hein, avec starter manette. Le bouchon collecteur, ça j'en ai une collection, mais je les garde. Voilà. Frein à tambour, il faut le dégripper avant de rouler sous la pluie. Hein. Voilà, et un véritable moteur à ailette. Et ça, ça fait 10 chevaux et demi à la roue arrière, ça gaz, ça carbure à fond. Même pas attaché. Voilà, donc 125 MZTS. C'est l'Harley du pauvre. Tous ceux qui ont eu une MZ roulent maintenant en Harley. Enfin, sauf moi, quoi. Allez, adieu MZ, adieu.